Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, avec le son cette fois-là, en ce 14 août 2022, 13h42, heure du Québec. Merci à ceux qui m'ont prévenu que j'avais pas de son, je m'en étais pas rendu compte, c'est une petite technicalité. J'avais mis à jour mon programme studio, puis je me suis pas rendu compte que le micro était pas connecté, donc, comme vous le savez, moi je fais souvent plus d'impro, parce que je connais vraiment mon sujet, je ne suis pas vraiment préparé en détail, mais je vais vous résumer la dernière vidéo que je vous ai publiée il y a quelques, à peine une heure, je pense. Naturellement, je ne peux pas répéter tout ce que j'ai improvisé, mais vous allez comprendre l'essentiel de ce message-là que je voulais envoyer. On vit une époque très, très troublante. On a une élite qui est menée par des gens non élus, hein? Une élite qui se met au-dessus, non seulement des lois, mais au-dessus de la divinité. On a éliminé l'idée de la divinité dans nos pays parce que ces gens-là veulent se mettre au niveau de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a attaqué les fois, les religions. Moi, j'ai une foi dans un créateur, mais j'ai aucune espèce de confiance dans aucune religion organisée. Ils sont tous complices de l'élite qui nous gouverne depuis des milliers d'années. On a attaqué depuis quelques décennies justement cette idée-là parce qu'on veut répandre l'idée que les nouvelles générations, que Dieu n'existe pas et que, dans le fond, la plus grande puissance, c'est vos dirigeants, c'est votre classe dirigeante. Et c'est elle qui vous donne tous les droits, c'est elle qui vous... C'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est très, très dangereux, très troublant. Et tout ça avec la complicité, naturellement, des médias qui sont là, de toutes les tendances à faire avancer cet agenda-là de la puissance de l'élite, de la divinité de l'élite. Pour des gens comme vous et moi qui avons une foi, le Créateur, ou peu importe votre foi, c'est la force positive, hein? C'est la force créatrice, mais il y a toujours une force du mal. Dans tout ce qui se passe dans l'univers, il y a un équilibre, hein? Il y a une moitié blanche, une moitié noire, une moitié yin, une moitié yang. Hein? On parle ici de force, force du mal. La force du mal est représentée sur Terre par les humains. Tu n'as pas besoin de chercher Satan. Satan étant plutôt l'idée ou un concept, mais qui est représenté par une certaine catégorie de notre humanité, qui est toujours la même. La classe dirigeante, ces gens qui se retrouvent là par soif du pouvoir, hein, par soif de domination, d'argent. Puis ça, c'est une lignée, et ça a commencé comme ça, et ça s'est propagé, et ça s'est transmis de génération en génération. Et maintenant, on assiste à leur jeu ouvert, ils n'ont plus aucune décence, ils sont vraiment sans gêne. Ils font avancer leur agenda, on le voit, écrase tous ceux qui les questionnent, écrase tous ceux qui remettent en question leur discours, leur idéologie, tous ceux qui, comme Donald Trump, remettent en question même leur mainmise sur le pouvoir. Parce que si vous voyez un peu ce qui s'est passé avec Donald Trump, que vous l'aimiez ou non, ce n'est pas important, Donald Trump est venu dire au monde ce qui se passait avec l'élite et la classe dirigeante et les médias. Que tu aimes ça ou pas, ce n'est pas vraiment important non plus. Ça a réveillé beaucoup de monde. Et ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde sur le fait qu'il y a une complicité indéniable entre la gauche, les progressistes, ceux qui gouvernent, l'élite, Davos, l'ONU, Organisation mondiale, tous ces gens non élus, tous ces gens qui sont là avec des trilliards de dollars de budget qui viennent de nos poches et le pouvoir de nous imposer leur vue et leur vision, et tu ne peux pas les critiquer. Donald Trump est venu exposer tout ça. Et autant chez les républicains que les démocrates, on n'a pas aimé cette idée-là de perdre le pouvoir. Parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur, nouvellement arrivé, vient tout éclabousser. Donald Trump, ce n'est pas un politicien, jamais fait de politique. Ces gens-là sont là depuis des décennies, partout en France, au Canada, aux États-Unis, ces députés, ces gens qui sont là à régner toujours, et à s'enrichir, et à nous imposer de plus en plus de restrictions.
lui est venu exposer ça. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important, mais on t'a programmé à le détester pour des raisons qui sont complètement futiles. OK? On l'a attaqué sans cesse. Mais ça, c'est une partie de ce que je voulais expliquer, mais la plus grande partie, c'est qu'on est en train de nous imposer un mode de vie qu'on n'a pas choisi. C'est comme si tu avais deux écoles, ces gens-là qui nous gouvernent, cette classe dirigeante-là depuis toujours, qui veut nous ramener à l'âge de peut-être médiéval où la classe moyenne, le troupeau, souffrait beaucoup et eux dansaient dans la décadence. Parce qu'on a eu un certain progrès et ça les fâche, ça les fait suer qu'on ait eu un progrès, qu'on soit sorti d'une misère comparable à celle de cette époque-là. Et cette classe dirigeante-là veut nous retourner dans cette époque-là. Eux sont toujours là à régner dans l'opulence. Et là, on le voit, c'est une dégradation de nos sociétés depuis 15, 20, 25, 30, 40 ans, avec l'idée du socialisme et de l'égalité pour tous. C'est tellement contradictoire. Il n'y a jamais eu autant de misère dans nos pays occidentaux, surtout maintenant, et de dégradation de notre niveau de vie, que depuis l'avènement de cette idée du socialisme et de l'égalité pour tous. C'est tellement, tellement, tellement mensonger. Et c'est comme ça que les communistes, Karl Marx, fonctionnaient et avaient émis cette hypothèse-là de pour prendre le pouvoir sur la classe ouvrière, il faut que tu envoies le même message toujours. Même s'il est mensonger, ça va devenir une vérité. C'est comme ça que les tyrans fonctionnent. Et t'as Donald Trump qui est venu briser ça ou l'exposer. Et ça, ça a fait vraiment peur. Les 4 ans de présidence de Donald Trump ont été très perturbatrices pour ceux qui sont ou qui ont les mains sur le pouvoir et l'argent. C'était une grande menace, Donald Trump. On a vu le mouvement que ça a créé. Pas seulement aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Et il y a été la constante attaque de tous les médias. C'est pas normal que tous les médias, sauf les médias conservateurs, tous les médias, pendant 4 ans, 24 heures sur 24, aient attaqué Donald Trump. Les services de renseignement ont attaqué Donald Trump avec des faussetés, des dossiers montés de toutes pièces. On est allé chercher des mandats d'écoute grâce à ces mensonges-là pour mettre sous écoute des gens qui étaient autour de lui, Carter Page et d'autres, et même son bureau dans la tour. Trump Tower à New York. Les services de renseignement n'ont pas cessé de l'attaquer. D'ailleurs, les services de renseignement, le FBI a été créé par Roosevelt, si ma mémoire est fidèle, dans le seul et unique but d'écouter, puis d'enquêter, puis d'espionner des Américains qu'on considérait dangereux à l'époque. Le FBI, c'est une fraude monumentale, c'est une corruption. On a utilisé le FBI et la CIA pour monter des dossiers complètement mensongers sur Saddam Hussein et les armes de destruction massive, vous vous en rappelez, qui a mené à la guerre. 1 million de morts américains, irakiens, pardon, inutiles, vraiment inutiles. Puis on a admis qu'il n'y en avait pas, que c'était monté de toutes pièces. Les services de renseignement chez vous, chez nous, c'est tout corrompu. Ils sont là dans le seul et unique but de nous écouter, de trouver quelqu'un qui voudrait comploter contre son gouvernement. L'armée est là pas pour protéger quoi? Qu'est-ce que les soldats font? Absolument. Ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont là pour protéger l'élite. Sans armée, tu n'aurais pas l'élite. Comprends-tu? Et qui est dans l'armée? C'est le troupeau de moutons. Si le troupeau de moutons, demain matin, disait non, nous autres, on n'embarque plus dans cette idée de l'armée, penses-tu que l'élite va envoyer ses enfants dans l'armée pour les protéger? Jamais. Ce système-là tomberait tout de suite. Maintenant, là, on est en mode d'attaque. Il y a eu la descente du FBI chez Donald Trump à Mar-a-Lago pour des idées complètement loufoques. Et là, tous les médias ont repris leur spin. Ah, ça y est, les murs se referment contre lui. On l'a, on le tient cette fois-là. Il va être dans un petit costume orange. Puis pendant 4 ans, ça a été ça. Ben, même 5-6 ans. Avec ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier, il n'y avait rien à voir là-dedans, lui. C'est vrai qu'il a fait un discours ce matin-là, mais il a dit aux gens, allez manifester pacifiquement votre mécontentement, c'est tout à fait ton droit légitime. Mais avec la classe dirigeante, c'est plus un droit légitime de manifester, de remettre en question qui que ce soit. D'ailleurs, Merrick Garland, l'attorney général, le ministre de la Justice américaine, a dit,
j'accepterai que personne critique le FBI. Pardon? Ils vont aller être traités de terroristes. Pourtant, c'est le moindre des droits de tout citoyen de critiquer le gouvernement, les systèmes de renseignement, les services de renseignement, surtout le FBI, corrompu jusque dans sa moelle. Donc, Merrick Garland a admis que c'est lui qui avait signé l'autorisation pour envoyer le FBI à coup de 40 agents, des avions, des hélicoptères, des bateaux aussi, entourant Mar-a-Lago, comme si quoi, il était pour se sauver par la mer avec des documents. Ça faisait un an et demi que Donald Trump négociait avec ses avocats et le gouvernement sur des documents qu'il avait en sa possession, qui peut-être ne devaient pas être en sa possession, peut-être, mais il a tout déclassifié apparemment. Puis de toute façon, tous les présidents partent avec des documents, puis souvent après ça, on leur envoie des subpoenas pour dire « Non, ça nous prend celui-ci, celui-là, pour mettre dans les archives. » C'est pas nouveau. Pourquoi on a agi comme ça avec lui? C'est qu'on veut l'éliminer politiquement. On veut essayer de trouver une façon de l'éliminer politiquement. D'ailleurs, sa base est enflammée. Les républicains, à 70% sont prêts à le remettre comme candidat. Je peux vous dire une chose, il y a des bonnes chances que s'il fait, en 2024, soit réélu. Parce que beaucoup de monde sont indignés de l'agissement du gouvernement Biden et de son ministre de la Justice et du FBI dans ce dossier-là qui est complètement injustifié. On aurait pu passer par un autre moyen. Et là, les médias s'en vont dans toutes les directions. La dernière nouvelle ce matin, c'est qu'il serait en possession des codes nucléaires. Pensez-vous vraiment que si Donald Trump est en possession des codes nucléaires, le FBI aurait attendu un an et demi de négociations avec Donald Trump pour aller chercher les codes nucléaires? Pensez-vous vraiment? Parce que le subpoena, ils l'ont eu 3 jours avant qu'ils agissent. Ils auraient attendu 72 heures en sachant que Donald Trump avait les codes nucléaires. C'est complètement, complètement loufoque. Mais c'est ça, les dernières nouvelles pour vous démontrer à quel point on est dans du n'importe quoi. Et là, tu as MSN qui nous raconte que Trump aurait envoyé un message crypté à Merrick Garland avant que le mandat ne soit décelé, parce qu'on avait jusqu'à vendredi pour rendre public, parce que tout le monde criait au scandale, le fameux mandat de perquisition. Bon, Donald Trump a dit « je ne m'oppose pas du tout à son… » parce que c'était lui qui fallait attendre sa réponse. Il a dit « je ne m'oppose pas à sa publication ». Mais c'est les affidavits qu'on n'a pas encore publiés, c'est ça qui est important. Puis on ne le fait pas encore, mais en tout cas, est-ce que ça va venir? Donc, supposément, on nous raconte encore du n'importe quoi. Donald Trump a envoyé un message crypté à Merrick Garland avant que le mandat ne soit décédé. Le message est le suivant. « Le pays est en feu, que puis-je faire pour réduire la chaleur? » Trump voulait dire à Garland que les gens aux États-Unis étaient furieux du raid du FBI sur Mar-a-Lago, nous raconte ce grand journaliste, hein, qui raconte n'importe quoi. « Le pays est en feu, que puis-je faire pour réduire la chaleur? » était le message selon le New York Times. Imagine le New York Times, eux qui ont attaqué Donald Trump pendant 7 ans maintenant. L'ancien président Donald Trump a tenté de transmettre un message crypté au procureur général Merrick Garland à la suite du raid du FBI dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Selon un rapport, selon le New York Times, Trump voulait que Garland sache qu'il avait parlé à des gens à travers le pays et qu'il était... que les gens étaient enragés par la descente du FBI. Donc, on essaie de faire croire ici que Trump est en train de fomenter une révolution. « Le pays est en feu, que puis-je faire pour réduire la chaleur? » était le message que Trump voulait, mais il ne l'a pas envoyé, parce que c'est du bidon, a déclaré au journal une personne familière avec l'échange. Encore là, des sources anonymes. Une personne proche de l'ancien président a contacté un responsable du ministère de la Justice pour transmettre le message à Garland. Donc, c'est tout monté de toutes pièces, a rapporté le journal, et on ne sait pas si le message lui est parvenu. C'est quoi? Pourquoi on raconte ça? Encore là, c'est pour salir Donald Trump. Chers amis, quelles sanctions pour encourir, nous demande le Washington Examiner. Trump, en vertu de la loi sur l'espionnage Act, qui a été voté, imaginez-vous, en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, il visait à interdire l'ingérence dans les opérations militaires ou le recrutement, à prévenir l'insubordination dans l'armée et à empêcher le soutien des ennemis aux États-Unis en temps de guerre. Franchement, ça vient faire quoi là-dedans? C'est du n'importe quoi. Et ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que je vous ai trouvé un extrait d'une entrevue que Chuck Schumer, qui est le leader maintenant des démocrates au Sénat parce qu'ils ont la majorité, à l'époque où Trump était président dans les années de Trump, et Schumer était le leader de la minorité, et il avait donné une entrevue à Rachel Maddow de MSNBC, hein, s'il n'y a pas plus gauchiste et anti-Trump que ce média-là. Et
ce que Chuck Schumer raconte, parce qu'on est en 2017 et Trump, le Russiagate commence et il attaque un petit peu les services de renseignement en disant que c'est complètement mensonger, c'est des fake news, c'est une chasse aux sorcières. Et Rachel Maddow le ramène là-dessus, Chuck Schumer, et lui demande « Qu'est-ce que vous pensez que, ou comment va réagir le FBI au fait que Donald Trump remette en question hein, leur dossier Steele puis leur prétention sur le fait que peut-être Donald Trump serait un complice de Poutine. To the intelligence community. You take on the intelligence community, they have six ways from Sunday of getting back at you. Donc Schumer dit, si vous attaquez les services de renseignement sur leur crédibilité, ils ont six façons de revenir à vous avant dimanche. Wow. So even for a practical, supposedly hard-nosed businessman, he's being really dumb to do this. What? Donc, pour un supposément grand homme d'affaires intelligent, il est vraiment stupide d'avoir fait ça, dit Chuck Schumer en 2017. Voyez-vous, jusqu'où c'est allé, ça a pris du temps avant que le FBI s'en mêle. Mais, comme disait Schumer, ils ont six façons de revenir à toi puis te chercher avant dimanche. Ben avant dimanche, c'était la semaine dernière. What do you think the intelligence community would do if... Qu'est-ce que vous pensez que les services de renseignement vont faire? I don't know, but I, from what I am told... They are very upset. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais de ce qu'on m'a dit en 2017, du fait que Donald Trump les questionnait, ils sont très, 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 très obsédés, très fâchés. How he has treated them and talk. De la façon dont il les a traités et de la façon dont il leur a parlé. About them. And we need the intelligence. Wow! Voyez-vous, quand l'establishment veut ta peau, ben c'est sûr qu'on va l'avoir ta peau. Et... hier matin, je vous ai trouvé un autre extrait de Mme Crawley, qui était l'ex-assistante secrétaire au Trésor sous Donald Trump, qui explique pourquoi ça s'est fait, ça. Parce que Donald Trump est une menace pour la classe dirigeante. Imagine-toi. Yeah, the absurdity of this guy tells you that the regime has jumped the shark. Donc, l'absurdité de ce gars-là qui vous parle du code nucléaire, là, c'est complètement, complètement... with this raid, and they are clearly aware of that. That is an outrageous assertion. C'est vraiment une perquisition injuste. That somehow Donald Trump had our nation's most sensitive nuclear secrets. Que Donald Trump ait en sa possession nos secrets nucléaires. They waited a year and a half to go get them. Mais ils ont attendu un an et demi pour aller les chercher. I mean, what's next? That he's hiding nuclear missiles under his bed? Donc, c'est quoi la prochaine nouvelle? C'est qu'il y a des missiles que Donald Trump cache nucléaires en dessous de son lit? The whole thing is absurd. La totalité de cette histoire-là est absurde, nous dit Monica Crawley, qui est l'ancienne assistante au secrétaire du Trésor. Imagine pas n'importe qui, là. Mais il y a encore des questions qui sont en suspens concernant les documents. Puis on faisait toujours du aller-retour avec les autorités, avec les avocats de Donald Trump. Il y avait une coopération qui se faisait. Puis il y avait peut-être, ça a peut-être même besoin d'aller jusqu'à la Cour suprême, savoir quels sont ces documents, puis s'ils sont vraiment classifiés ou peu importe. Mais on ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est une des derniers, c'est le dernier acte dans une longue liste d'actes abominables contre ce président. On a essayé de le sous-estimer. On l'a sali, on a essayé de le salir. Et on a essayé de le détruire ultimement. On veut l'éliminer de la scène politique américaine. Nous dit Mme Crawley, imagine-toi, là. Tout le monde parle, hein, des détails de ce fameux Russiagate. Ou les deux fake destitutions par la Chambre basse. Ou ce qui s'est passé le 6 janvier, qui n'ont rien à voir avec Donald Trump. Mais il n'y a personne qui est... questionner le plus grand objectif de tout ça. Pourquoi? Pourquoi il est en constante attaque? C'est ça le punch que je veux que vous compreniez et écoutiez. Et la raison pour laquelle il est toujours en constante attaque, c'est qu'il est
une menace existentielle pour la classe dirigeante, autant républicaine que démocrate. Et leur poigne absolue sur le pouvoir. Je voulais vous partager ça parce que c'est des moments pas faciles. La classe ouvrière est en constante attaque. Notre niveau de vie, vous le voyez, se dégrade, mais c'est rien comparativement à tout ce qui s'en vient. Les projets que ces gens-là, non élus, l'élite qui nous gouverne, ont pour nous, c'est abominable. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais une chose est certaine, ça va se terminer pour nous, comme ça a commencé, dans la misère et le totalitarisme. Je vous reviens, je laisserai tout ça dans la boîte de description.